Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis avec Raph. Ça va mon frérot? Ça va et toi? Bah tranquille. Bah alors tu nous ramènes quoi là mon ref? Un Ibiza CCL TDI 130. Quelle année? 2005 celle-ci. Ok. Par contre je préfère vous prévenir les gars, je préfère te prévenir aussi Raph. Je connais rien en cette TDI. Ouais, j'y connais rien. Faut que tu m'expliques tout. Ouais c'est pas grand chose. J'y connais rien. De toute façon ça tu vas voir dans les commentaires, je vais la voir. La listing là. Ils vont m'allumer, ils me disent ouais tu connais pas là. Rien à foutre, je connais pas. Et alors c'est quoi le problème? Je suis là pour apprendre. Ouais ça va vite. Explique-nous tout mon Raph. Il y a une petite prépa moteur. Parle bien fort qu'on puisse bien t'entendre à la cam. Il y a une petite prépa moteur. Ouais. Là, elle est en stage 1. Il y a un turbo 1856, un échangeur. Le kit sural, il y a une ligne complète. Il y a peinture complète en Grenardo. Ouais. Puis il y a deux trois bricoles à finir, mais il y a pas mal de petites pièces. Ok. Il y a pas mal de petites pièces. On va faire un petit tour sur l'arrière parce que j'ai vu un truc qui m'a interpellé tout à l'heure. Eh, tes phares arrière, je les kiffe. Tes phares en décal. Voilà, c'est. De toute façon, c'est là-bas sur un. Si t'as pas ça. Ça vaut un billet neuf, mais. Ouais. 600 balles. Les deux feux là, 600 balles. 600 balles. Oh là là. Mais c'est vrai que c'est fait beau. Et allumé, ça fait encore plus beau. Je sais pas si on va bien voir, mais. Ah ouais. Je sais pas si on va bien voir avec la caméra, mais. Mais ouais, ça fait propre. Et donc là, tu nous sors combien de chevaux là-dessus, frérot? J'ai regardé plusieurs fois la carto, ils me disent entre 250 et 220. Après, j'ai pas de feuille de banc, du coup, je peux pas trop savoir. Ouais. Mais vu que c'est léger, ça suffit largement, dur. Ouais. Mais là, il y a une nouvelle carto qui va arriver. Faut juste en commander les pièces, quoi. Ouais. Parce que là, sur le moteur, t'as fait quoi? T'as changé quoi? Là, il y a turbo 1856, il y a embrayage renforcé. Injecteur d'origine, kit sural complet, ouais. Inox. Puis, et la carto, tu nous l'as fait où? Au Portugal. Eh les amis du Portugal, si vous regardez la vidéo, vous allez être mort. Mais en vrai, les Portugais, sur tout ce qui est reprog, TDI, Seat Ibiza, Seat Leon et tout, mais c'est des grands malades, ils font des prépas de ouf. Moi, j'avais regardé une vidéo une fois sur YouTube, sur la plateforme, pour justement voir un peu ce que les Portugais étaient capables de faire. Mais les Portugais, les gars, ils nous sortent des prépas. Tu te demandes, mais c'est quoi là? Ils vont jusqu'à où pour, dans leur délire pour nous trouver des prépas comme ça? C'est ouf quand même. Ouais, il y en a, ils sortent jusque 600 chevaux. 600, 700 chevaux. 600 chevaux là-dessus? Ouais, il y en a. Ouais. Mais non. Il y en a, ils mettent du Nos, tout ça. Moi, j'ai vu au Portugal dans les rassos. C'est pas la même chose, moi à côté je suis un petit joueur. Sérieux? Ah ouais. Moi okay. Je suis soft de soft là. La prochaine carto normalement je dois sortir entre 400 et 450 chevaux. Estimé. Ça va être n'importe quoi. Là ça va être n'importe quoi. Bon il y a un petit billet encore parce que du coup faut changer de turbo, embrayage. Et là tu peux nous parler un peu du tarif grosso modo de la voiture complète. Ouais, de l'estimation de la prépa, ça serait combien si admettons il y a un jeune qui se dit ouais tiens je vais préparer une petite Seat Ibiza. Bah faut là, qu'il combien à peu près? Avec la couleur, un bon 3500 euros de prépa, je pense. 3500, 4000 euros. Sans l'achat de la voiture, bien sans évidemment. La voiture, ouais. Sans l'achat de la voiture. Ok. Avec la peinture, elle est estimée à plus de 2500 euros. Ouais, c'est le Grenardo de chez Audi, les gars. Je sais pas si caméraman, regarde-moi ça. C'est quand même une belle couleur le Grenardo. C'est même gris que la RS3. C'est une dinguerie cette couleur. C'est le code couleur de la RS3. Ok. Moi j'ai pas mal de choses à finir encore dessus. Parce que du coup elle est encore en cours de prévoi. Ouais d'accord. Je dois faire mes vitres teintées. Ouais tu veux les faire chez qui? SC Projet à Reims. Eh non, enfin chez Select Auto, regarde le résultat frérot. Ouais je vais voir. Eh, c'est l'un des moins chers du marché. Ouais faut que j'aille voir. Faut que je fasse les vitres teintées parce que là c'est trop. C'est le Grenardo en plus. Eh, regarde, moi là je suis en full black, enfin à l'avant je suis, hein. Bref, on va pas dire ce qu'il y a. Mais là tu vois là, chez Select Auto Pro, hein, nos chers amis de chez Select Auto Pro, là j'en ai pour 180 euros, la complète. Ouais ça va, franchement ça va.
C'est propre. Ouais, c'est propre. Donc Select Auto Pro les gars, c'est 10 000, hein, je vous ai cité. Paf, c'est gagné. Je vois que tu nous as fait les petits clignotants teintés. Clignotants teintés. Ah, t'as fait rétro noir, t'as fait toit noir. Toit noir, jante noire. Jante noire. Les jantes un peu rayées du coup. Faut que j'y repasse. Là j'ai plus fait l'esthétique. Ouais. Puis prochainement je vais faire le moteur et l'intérieur. Ouais. Faut que je trouve des sièges FR ou Cupra, mais c'est compliqué à trouver. Ouais. Pour moi, du coup, l'ancien propriétaire, le chien, il a mangé d'abord, on voit le siège. Et... ouais, il est pas beau. Du coup, après, j'ai déjà le volant Cupra. J'ai le pommeau Cupra aussi qui est à la maison. Il faut que je le monte. Mais ouais. Vu qu'on change de volant, il y a le volant airbag. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour le contrôle technique, c'est pas top. Bon, après, les amis, sur ces bonnes paroles, je vous laisse là-dessus. On va la démarrer. Pas de soucis. On va faire le petit plan du démarrage et on va aller faire un petit essai routier. A tout de suite les amis. C'est la danse du soukoukou. Le caméraman, c'est la danse du soukoukou. C'est soukoukou la danse. Ah, ça. Tu vas entendre, ça siffle bien quand on accélère. Oh les gars, on se retrouve à bord du véhicule, on va faire un essai routier avec Raph et puis on va voir ce que ça vaut. C'est la première fois que je monte dans une Seat Ibiza Reprog. Allez à toute la famille. Bon bah voilà les gars, on est à bord du véhicule avec Raph. Ah là là, alors on va prendre à gauche, frérot. Pas de soucis. Je suis en train de Ouais, voilà. Et ça fait combien de temps que je suis là, la Seat? Celle-ci, ça fait 7 mois. Mais ouais. J'ai pas beaucoup roulé avec, c'était ma voiture de rasso à la base. Ouais. Parce que j'ai un 320i à côté. Ok. Je m'en servais tous les jours. Puis j'ai essayé mon 320i à ma femme et puis j'ai pris ça pour tous les jours maintenant. Ouais. Mon petit débit. Puis ça va, ça ne consomme rien, tout ça, c'est top. Ça reste un diesel pour aller bosser. Ça ne consomme pas, même prépa? Même prépa. Là, j'ai le plein là, ça me barre 610 km. En roulant assez fort, c'est beau pour un petit. Si je fais que maison boulot, je fais 2 semaines. Complètement à gauche là-bas ? Ouais. Je fais 2 semaines avec un plein, 2 semaines et demie. Après, si je tape dedans, je fais 2 semaines. Ouais, ça a l'air d'avoir la gnoque cette merde. Ouais, ça marche. Mais franchement, c'est léger. Moi, je sais que je commence à m'enlacer. D'après moi. Pourtant, ça dure. Ça marche déjà pas trop mal. Après, j'ai l'embrayage qui est mort. Ouais. L'embrayage, j'ai pâti énormément là. J'ai tout droit du coup. Ouais, tout droit, ouais. Et sur là si là franchement ton objectif c'est combien de chevaux là? Le top du top ça serait 450. Ouais. Mais si j'arrive déjà à 400 je serais déjà... Avec 400 là-dessus ça serait n'importe quoi. Ouais c'est insolent. J'ai déjà conduit des 300, 400 chevaux. Et j'ai pas eu de plaisir. J'ai eu des Audi A5 300 chevaux. Pareil. Ouais, t'as eu, tiens, t'es en train de nous parler de ce que t'as eu comme caisse. T'as eu quoi comme caisse avant l'assiette? J'ai eu un Golf 6 break. J'ai eu un Audi A6 break. Ouais. Droit? Ouais, tout droit. Ouais. J'ai dû au stage 1, je sortais 200 chevaux. J'ai eu une première Ibiza comme ça en bleu toit au vent. Pareil, bah c'était mon moteur là, du coup j'ai la même prépa. Et j'ai un 106 Quicksilver que j'ai toujours. Ouais. Et j'ai un 320i 90. C'est quelle année ça E90? C'est 2006. Ouais. Ok. En essence. Bon c'est bien mais ça consomme énormément. Sérieux? Ah ouais ça bouffe. Avec un plein je fais 400 bornes en ville. Mais non. Ah si ça bouffe de chez bouffe. Ouais c'est pas une voiture. Je suis parti au Portugal avec. J'ai mis 1000 euros d'essence pour revenir et aller autour. C'est vraiment, j'ai mis 12 pleins en tout.
c'est un truc de fou. Après, j'ai une carte au éthanol dessus. Ouais. Une carte au éthanol, j'ai une reproc open bank. C'est assez drôle. C'est vrai que pour la ville. Et là, on va aller à l'autre rond-point là-bas et on va faire du vélo. Pour la ville, c'est. C'est pour ça que j'ai racheté un petit TDI. C'est top. Tu me dis quand tu veux, j'accélère un peu. Ouais, t'inquiète, on va faire ça sur le retour. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les voitures? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la voiture de tes rêves? T'aimerais bien quoi? Je sais pas trop. Moi je suis beaucoup Audi. Ouais. J'adore l'Audi RS5. Je pense que dans ça... le budget abordable, c'est ce qui peut arriver. Ouais. Après, un budget accessible, une Lambo, une Aventador, c'est magnifique. Ah bah là on est d'accord. Moi mon rêve c'est une STO. Ah ça marche hein, je suis pas chiant hein. Je veux juste une STO. Après je suis pas trop japonaise mais les Toyota Supra tout ça. Ah, tu sais j'étais faire un tour avec un pote à moi qui a une Toyota Supra, bah, je peux te dire que ça marche, hein. Même ouais, d'origine. J'ai hésité à faire une Honda Civic à un moment. Ouais. Chercher la caisse de toi comme ça, ouais, bah oui. C'est trop dur. Ils sont tous remplis de rouille. Ouais, c'est ça. Technique, tu peux rien faire. J'ai dit, j'abandonne. Eh bah vas-y, c'est quand tu veux, mon frérot. Je suis pas digne. Ouais, il y a tellement de coups que l'embrayage je suis pas digne. Franchement, il a bien tenu. Parce que là, c'est un sage 4 patins en renforcé. Ouais. Et il a 70 000 bars. Et franchement, tu conseilles une voiture comme ça pour les jeunes permis? Bah, niveau assurance, tout ça, ça va. Ouais. Mais après, il faut. Même consommation, ça va. Ouais. Mais souvent, il faut aller maintenant. Ça casse beaucoup, les durites, ils cassent. Moi, il y a 2 semaines, j'ai cassé une durite d'eau. Presque 3 semaines pour trouver la durite. Parce que du coup, la casse, il est coupé. Neuf, c'est 2 mois d'attente. Et on pouvait pas chercher. J'ai trouvé sur Facebook à Lens. Je suis parti chercher une durite à Lens pour 20 balles. Mais c'est vrai que ça casse beaucoup quand même. Ouais. Mais sinon, c'est des voitures très abordables, franchement. Niveau tarot, tout ça, tu tapes pas mieux. Je sais que j'ai eu plusieurs voitures et je suis reparti sur un TDI. Ouais. Demain, tu dois prendre un essence. Non. Je pense pas. Non. Tu repars sur un TDI. Ouais. Je finis celui-là. Là, en ce moment, je regardais les Audi S5. Mais c'est pareil, je sais pas. C'est là. On a envie de prendre d'un côté et d'un côté. On sait qu'on trouve un qui marche autant. Ah, mais c'est rigolo ta assiette là. Ouais, c'est marrant. Mais là, je repasserai quand. Elle sera finie complètement. Vas-y, pas de soucis. Par contre, je pense que ça fera plaisir à quelqu'un, une Seat Ibiza comme ça, reprog. C'est à notre cher ami Babas. La boiserie. Scorpion TV, là. Lui, aime bien ça, lui. Ah, ça, c'est. Parce que là, du coup, j'attends mes pièces, estimées à 400 chevaux. Ouais. Après, on verra bien ce que ça donne. Mais je sais pas si tu vois la carte au. Là c'est à John avec un toit Jack Daniel. Si. Bah je récupère la carte de celle-là en multimap. Et la carte a été faite complètement en Portugal. Ouais. Et il y a une carte à 250 chevaux la première. Ouais. La deuxième, si je dis pas de bêtises, c'est 360. Et la troisième elle a 430. Et moi je l'ai déjà essayé parce que c'est limite de ma famille. Et franchement c'est une tuerie, ça fait peur. Ça fait peur. Est-ce que tu as un compte Insta, mon frérot? C'est Raphaël Muccino. Ouais. De toute façon, je vous mettrai dans la description de la vidéo. Allez lui donner de la force, il le mérite. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo.
On se dit à bientôt. À bientôt, bon courage. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas le partage, le commentaire, le petit pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. À bientôt. Ciao. Oh!